est nommé président de la commission Dialogue, Vérité, Justice et Réconciliation. Il a été aussi question de l'organisation des élections communales et régionales. Focus Santé fait un zoom ce soir sur l'utilisation des objets de seconde main. Quel est l'impact sur notre santé? Chez Sira, Emmanuel Dambélé, et allez voir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce lundi 3 août 2015 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. Et c'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Ibrahim Adjombele, vous êtes avec moi sur ce plateau. Et tout à fait, bonsoir à vous, Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Et c'est avec plaisir qu'on va développer tout cela. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de rester sur notre chaîne. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'annexe de la loi numéro 02055 du 16 décembre 2002, modifié portant statut général des militaires. L'adoption du projet d'ordonnance portant modification de l'annexe du statut général des militaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Elle vise à prendre en charge dans la grille indiciaire des personnels militaires des forces armées la prime de risque de 15% du salaire brut qui leur est accordé depuis le 1er août 2012. L'adoption de ce projet d'ordonnance implique l'abrogation du décret numéro 2013-611 PRM du 24 juillet 2013 portant institution d'une prime de risque au profit des personnels militaires de forces armées. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement numéro 5606 signé ici à Bamako le 30 mai 2015 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. En vue d'assurer le financement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES, le gouvernement de la République du Mali a signé ici à Bamako le 30 mai 2015 avec l'Association internationale de développement IDA l'accord de financement numéro 5606 d'un montant de 10 millions de droits de tirage spéciaux, soit 8 milliards 177 millions 600 000 francs en CFA. Le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES a pour objectif d'améliorer la pertinence des programmes d'enseignement supérieur sélectionnés et de soutenir la mise en œuvre du plan quinquennal de développement institutionnel 2015-2020. Il porte sur des programmes des établissements d'enseignement supérieur relatifs notamment à l'agriculture, l'élevage et l'exploitation minière et technologique. Il contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. 2. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 19 juin 2015 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Dans le cadre du financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le gouvernement de la République du Mali a signé ici à Bamako le 19 juin 2015 avec l'Association internationale de développement IDA l'accord de prêt d'un montant de 32 700 000 droits de tirage spéciaux, soit 24 434 millions 22 159 francs CFA. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel vise à améliorer la productivité et la compétitivité des filières d'élevage, à créer un environnement favorable au développement des systèmes d'élevage et à améliorer la mise en marche des produits animaux.
Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Nouakchott au cours de laquelle 6 pays du Sahel se sont engagés notamment à sécuriser le mode de vie et les moyens de production des populations pastorales et à croître significativement le produit brut des activités d'élevage. 3. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt sur les ressources du Fonds de solidarité islamique pour le développement signé ici à Bamako le 11 juin 2015 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement, BID, en sa qualité d'administrateur du dit fonds en vue du financement du projet d'appui à l'éducation bilingue de base. Pour permettre le financement du projet d'appui à l'éducation bilingue de base, le gouvernement de la République du Mali a signé à Bamako le 11 juin 2015 avec la Banque islamique de développement, l'accord de prêt et sur les ressources du Fonds de solidarité islamique pour le développement d'un montant de 10 millions de dollars, soit 5 milliards 840 millions de francs CFA. Le projet d'appui à l'éducation bilingue de base a pour objectif notamment d'améliorer l'accès et la qualité à l'éducation de base franco-arabe, de promouvoir l'égalité des sexes et l'éducation inclusive. Il permettra entre autres l'élaboration, la publication et la distribution de programmes et matériels didactiques, la formation de 5000 enseignants, de 2500 chefs d'établissement de franco-arabe et de 5000 membres du personnel du ministère de l'Éducation nationale, la mise en place de 5000 comité de gestion scolaire, la rénovation de 10 écoles coraniques, la réhabilitation d'un institut de formation des enseignants de langue arabe à Tombouctou, la création d'un institut à Kaye, l'accès à 75 000 élèves des écoles bilingues à l'éducation de base de qualité. 4. Des projets de texte relatifs à la ratification de la convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Bamako le 13 février 2012 et de son avenant signé le 30 août 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la principauté de Monaco. La convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale s'applique aux personnes physiques ou morales et résidant d'un État contractant ou des deux États contractants et aux impôts sur le revenu perçu pour le compte d'un État ou de ses collectivités locales, quels que soient les systèmes de perception. Elle apparaît comme un outil permettant aux États membres de fixer les règles et des repères et des règles de contribution en matière d'investissement à l'heure de la mondialisation des échanges et de la libre circulation des personnes et des biens. Elle vise à cet effet à promouvoir les investissements, le raffermissement des liens économiques, le développement du commerce international, la relance économique et la création d'emplois. L'avenant à la dite convention concerne la modification de ses articles 25 et 27 en vue d'apporter plus de cohérence et de permettre une meilleure compréhension. La ratification de la présente convention est une condition nécessaire pour son entrée en vigueur. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des conseillers communaux, des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. Le collège électoral est convoqué pour le dimanche 25 octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de procéder à l'élection des conseillers communaux, des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. La campagne électorale à l'occasion de l'élection des conseillers communaux, des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako est ouverte le vendredi 9 octobre 2015 à 0h. Elle est close le vendredi 23 octobre 2015 à minuit. Au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté 1. Un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 667 du 29 décembre 2006, modifié portant code général des impôts. 2. Un projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2015-0188 PRM du 18 mars 2015 fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Le présent projet d'ordonnance modifie l'article 240 nouveau
relatif à l'impôt spécial sur certains produits afin de l'adapter aux dispositions communautaires, notamment le tarif commun de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il donne la fourchette des taux imposables à certains produits dont la noix de cola, les boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau, les boissons alcoolisées, les tabacs, les armes et munitions, les sachets plastiques non interdits, les produits miniers, la marbre, les lingots d'or et les véhicules. Le projet d'ordonnance prévoit un décret pris en Conseil des ministres pour fixer les taux en matière d'impôt spécial sur ces produits. Le projet de décret relatif au taux de l'impôt spécial sur certains produits est adopté. Dans ce cadre, l'adoption des présents projets de texte va permettre la conformité de la réglementation nationale à celle communautaire. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination au titre du ministère de la Réconciliation nationale, commissaire président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, monsieur Ousmane Oumarou Sidibé, professeur d'enseignement supérieur. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a examiné 1. Une communication écrite relative aux conclusions et recommandations de la revue de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par le groupe de la Banque mondiale au Mali au 30 avril 2015. Le portefeuille actif de la Banque mondiale au Mali à la date du 30 avril 2015 s'élève à 1103 millions de dollars américains, soit 662 milliards de francs CFA répartis entre 21 projets nationaux et régionaux concernant les secteurs de l'urbanisme, de l'agriculture, des transports, de l'éducation, de l'eau et l'environnement, de l'énergie, de la santé et protection sociale, de la gouvernance et de la décentralisation. Il est ressort de cette revue que les ratios du Mali sont au-dessous des standards fixés par la Banque mondiale et de la moyenne observée pour la région Afrique pour des raisons dont, entre autres, le faible taux de décaissement, les longues durées de mise en œuvre des projets ainsi que la qualité des audits. La présente communication vise à prendre des dispositions requises pour assainir le portefeuille de la Banque mondiale au Mali et accéder à l'exécution des projets existants pour permettre à notre pays d'accéder à davantage de ressources de cette institution financière à dimension internationale. Les mesures prises dans ce cadre ont permis d'améliorer la situation du portefeuille au 30/6/2015 en portant le taux de décaissement à 26,8%. Une communication écrite relative au cadrage budgétaire à moyen terme. Le cadrage budgétaire à moyen terme CBMT 2016-2018 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017, du programme d'action du gouvernement 2013-2018 et de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il évalue le niveau global des recettes attendues de l'État par grande catégorie d'impôts et de taxes et les dépenses budgétaires par grande catégorie de dépenses pour la période indiquée. Il est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle du produit intérieur brut de 5,5% en 2016, de 5,6% en 2017 et de 5,7% en 2018. Il a pour objectif de renforcer les finances publiques et d'accompagner la reprise économique pour un solde budgétaire de base hors PPTE en moyenne de moins 0,8% contre moins 0,7% en 2015 et un solde budgétaire global autour de moins 3,9% du PIB contre moins 5,0% en 2015. Il dégage un écart de financement de 95,3 milliards en 2016, 147,2 milliards en 2017 et de 187,7 milliards en 2018 consécutive, notamment à la prise en charge de l'incidence financière de l'accord avec l'UNTM, à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, à la mise en œuvre de l'objectif d'allocation de 15% du budget d'État au secteur du développement rural et à l'organisation des élections en 2018. Il permet aux autorités nationales
chargé des arbitrages et de la politique budgétaire, d'opérer les choix stratégiques pour l'élaboration de la loi de finances. À Ouitourien. Oui, Ibrahima Djombele, on aura vu avec vous que le Conseil des ministres de ce lundi a pris d'importantes décisions dans l'organisation des élections communales et régionales le 25 octobre prochain. La nomination d'un nouveau président de la commission Dialogue, Vérité, Justice et Réconciliation. Pour plus de précisions, nous écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokalameiga, qui est au micro de Bourama Traoré. Je voudrais de façon particulière, en cette veille de vacances gouvernementales, insister sur trois sujets qui me paraissent d'importance majeure pour l'information des populations. Vous savez qu'actuellement, notre armée fait face à une situation extrêmement difficile. Le président de la République, chef suprême des armées, a décidé, en plus de l'ensemble des mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement, y compris le renforcement du budget de la défense, d'encourager les soldats de notre armée en ce qui concerne les primes de risque. Vous savez que ces primes ont été instituées il y a quelques années, mais on a constaté une grande disparité qui frise pratiquement l'injustice. Le président de la République a estimé donc qu'il fallait harmoniser de manière que l'ensemble des soldats qui se battent pour notre sécurité bénéficient de façon égalitaire et juste de cette prime de risque. Deuxième élément qui concerne toujours cette prime de risque, c'est qu'elle va être désormais intégrée dans le salaire. L'avantage de cela, c'est que les soldats qui seront à la retraite ou qui sont à la retraite vont avoir une répercussion sur leur pension de cette prime, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc c'est une mesure extrêmement importante qui doit être dite et comprise par nos soldats parce que ça rentre dans le cadre d'un vaste programme de motivation et d'amélioration des conditions de vie de nos forces armées de sécurité. La deuxième mesure importante qui me paraît être utile d'être expliquée largement aux populations, c'est l'organisation des futures élections des conseillers communaux, des conseillers nationaux et des conseillers du district de Bamako. Vous savez qu'à l'issue des différents reports, la date limite du mandat des conseillers, c'est le 25 octobre. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement a donc décidé de fixer conformément à ce que la loi prévoit la date de ces dites élections communales. Elle est fixée au dimanche 25 octobre 2015. L'ouverture de la campagne, c'est donc le 9 octobre 2015 à 0h et la clôture, c'est le vendredi 23 octobre à minuit. La troisième décision me paraît-il importante qui doit être annoncé à l'ensemble du peuple malien, à la communauté internationale, c'est la désignation du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Vous savez que cet organe est un dispositif, est un élément important du dispositif de mise en œuvre de l'accord et du retour définitif de la paix. Eh bien, le choix des hautes autorités du Conseil des ministres a porté sur un éminent cadre de notre pays. Il s'agit de Ousmane Oumarou Sidibé, qui est un ancien ministre, un haut cadre, un docteur en droit, plusieurs fois ministre dans plusieurs gouvernements, directeur du CDI, ayant occupé de très hautes fonctions, ayant produit beaucoup d'ouvrages intellectuels qui sont de référence dans notre administration. Et actuellement, son dernier poste, c'est qu'il était le secrétaire général du haut représentant du chef de l'État pour le dialogue inclusif. Le président a loué les qualités de ce cadre, sa connaissance des grands dossiers de l'État, sa grande humilité, sa grande discrétion, qui, me semble-t-il, sont des éléments essentiels dans la lourde mais exaltante mission que la nation lui a confiée à travers cette décision du gouvernement.
Oui, le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit avant nous. Le conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est le dernier conseil d'avant-vacances du gouvernement. Des vacances qui débutent ce jour même. Aujourd'hui, pour le rendez-vous de ce lundi un peu particulier, le gouvernement était presque au complet. Comme à l'accoutumée, ils ont abordé, les membres du gouvernement ont abordé les grandes questions. Intéressant, la vie de la nation. Compte tenu de la situation du pays, les ministres entendent suivre de près les activités de leurs départements respectifs et gérer certaines urgences, même s'ils sont en vacances. Nous disent Demba Wan et Bourama Traoré. Le Conseil des ministres est un rendez-vous hebdomadaire, mais l'exercice de ce lundi avait une saveur, un goût particulier, puisqu'il est le dernier avant les vacances du gouvernement. Après 2 années de dur labeur, les ministres vont observer quelques semaines de repos, un repos bien mérité. C'est des vacances que nous mettrons à profit aussi pour nous reposer et puis continuer à gérer la République. Nous allons bénéficier bientôt de quelques jours après 2 ans passés aux affaires. Je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir associer aussi quelques jours de vacances avec la famille, mais en gardant à l'esprit que nous sommes au service du peuple malien. Le Mali n'est pas totalement sorti de la crise. Les défis à relever restent nombreux et complexes, dont l'insécurité, la mise en œuvre de l'accord de paix et bien d'autres. Les membres du gouvernement en ont conscience. Pour le ministre de l'économie et des finances, il n'y a pas de congé. C'est la période des arbitrages budgétaires, donc nous sommes au travail, nous devons être au rendez-vous pour le 1er septembre avec un nouveau budget pour une année 2016 encore plus animée que celle de 2015. Le porte-parole du gouvernement, comme vous le savez, doit être toujours à l'écoute des messages que le président de la République et le Premier ministre voudraient bien faire passer à l'opinion. Donc ils décideront du temps qui me sera disponible. Je ne pense pas que le ministre des Affaires religieuses ira en congé, parce que c'est la période des Hajj, etc. Et puis voilà, donc un suivi total, et vu l'exigence du président de la République, on sera en congé, mais toujours connecté à la République, c'est ça. On reste à la tâche, même en congé, il faut qu'on reste sur les dossiers. On n'est jamais totalement en vacances. Autour du président de la République, les ministres se sont donc réunis pendant plus de 5 heures. Ils ont discuté des grands dossiers de la nation et pris d'importantes décisions. Les priorités ont également été rappelées, sécurité et amélioration des conditions de vie des Maliens notamment. C'est la période de répit pour les membres du gouvernement. C'est pourquoi ce conseil, qui n'est pas un conseil extraordinaire, c'est un conseil ordinaire dont la date a été seulement déplacée. Donc nous avons souhaité que les ministres puissent, en 15 jours, bien, se mettre en congé et se préparer à mieux travailler à la rentrée. Et nous avons donc constitué 2 vagues. Une première vague qui va décrocher et une vague qui restera à la tâche pour faire en sorte que l'activité gouvernementale ne soit jamais interrompue. Donc c'est un conseil ordinaire et le chef de l'État a toujours mis l'accent sur la nécessité de renforcer la sécurité dans le pays, la sécurité des personnes et des biens, et sans négliger l'effort constant visant à améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. C'est dans une alliance fraternelle que s'est achevé le Conseil des ministres de ce lundi. Le chef de l'État a tenu à saluer particulièrement les gardes-corps et chauffeurs des membres du gouvernement. Ces hommes de l'ombre font un travail remarquable, reconnu et apprécié ainsi par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous pourrez suivre le résumé du Conseil des ministres en langue bamana, en son raye, par le ministre Choguel Kokala Meiga, qui est porte-parole du gouvernement juste après ce journal. Et ce communiqué du gouvernement le lundi 3 août entre 4h et 5h du matin, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de sécurité de la garde nationale du Mali de Gourma Rarous, région de Tombouctou. Le bilan est de 11 gardes tués, 1 blessé. Des renforts ont été dépêchés sur les lieux et une mission d'interception opérée dans la zone.
Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne sans réserve cet acte terroriste, lâche et barbare, perpétré par des individus sans foi ni loi. Le gouvernement renouvelle sa confiance aux forces armées et de sécurité nationale face au défi de la lutte contre le terrorisme, invite les populations à coopérer avec elle. Le gouvernement prend à témoin la communauté internationale, l'AMINUSMA, l'ensemble de ses partenaires sur la recrudescence de la violence. Une atteinte au cessez-le-feu malgré la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger signé le 15 mai et le 20 juin dernier. Le gouvernement rappelle à tous ses partenaires la nécessité impérieuse d'assister les forces armées et de sécurité pour enrayer le terrorisme afin de préserver les acquis enregistrés sur la voie d'une paix durable au Mali et dans la sous-région. Et suite aux attaques perpétrées contre les forces armées de sécurité samedi et aujourd'hui, la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali et le Parti pour la restauration des valeurs du Mali ont réagi et condamnent avec la plus grande fermeté ces actes lâches et barbares et saluent l'abnégation et la bravoure de nos soldats. Ils présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Nous retournons à Koulouba pour vous dire que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi le ministre d'État indien en charge des mines et de l'acier, qui est porteur des messages du Premier ministre indien. Il avait sur lui une lettre d'invitation adressée au président de la République pour sa participation à la troisième édition du Forum Sommet Inde-Afrique prévu pour le 29 octobre prochain. L'Inde porte assistance aux pays africains dans différents domaines. Le ministre d'État indien, à sa sortie d'audience, est au micro de Khadija Toukoni. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de notre Premier ministre pour vous remettre en personne une invitation pour participer à la troisième édition du Forum au sommet Inde-Afrique prévu à New Delhi en fin octobre. Notre amitié avec l'Afrique date longtemps. Depuis notre indépendance, nos dirigeants entretiennent des relations personnelles étroites avec leurs homologues africains. Nous attachons toujours une très grande importance à notre partenariat avec l'Afrique. L'Inde et l'Afrique ont hérité d'un passé colonial similaire. Nous avons les mêmes préoccupations pour nos peuples, s'agissant des questions de développement durable et de croissance économique inclusive. Au niveau régional et mondial, nous avons également les mêmes préoccupations en ce qui concerne la gouvernance globale, les changements climatiques, les questions de l'OMC, des institutions de Bretton Woods et ainsi de suite. Nous coopérons étroitement au sein du G77 sur toutes ces questions. L'Inde accorde de multiples assistances aux pays africains à travers notamment l'octroi de bourses d'études, des facilités de formation et de renforcement des capacités, ainsi que l'aide au développement. Au cours des dernières décennies, l'Inde est devenue un partenaire important pour l'Afrique. Nous avons œuvré au renforcement des relations de coopération sud-sud à travers l'octroi des lignes de crédit et de subventions. Au cours du XXIe siècle, notre engagement a été consolidé davantage grâce au Forum au sommet Inde-Afrique, dont la première édition fut tenue en 2008 à New Delhi, la deuxième en 2011 à Addis Abeba. Pour l'édition de cette année, nous avons invité pour la première fois l'ensemble des dirigeants de tous les pays africains avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques. Cette édition nous offre une occasion historique d'accueillir un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement africains en Inde. Le sommet proprement dit se tiendra le 29 octobre, mais avant, la réunion des ministres des Affaires étrangères se tiendra le 27 octobre et celle des hauts cadres le 26 octobre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous réjouissons d'avance de votre participation active au sommet au Forum Inde-Afrique pour cette édition. Yeah.
L'actualité est sur un tout autre plan. Seulement 33% des enfants de moins de 6 ans au Mali sont allaités exclusivement au sein. Il faut améliorer cette situation. Et la 23e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel vient d'être lancée cette année sous le thème allaitement et travail. Compte rendu signé Batraoré. La promotion de l'allaitement maternel est un élément incontournable pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est le point de vue des responsables de la Direction nationale de la santé. Le travail des mamans ne doit pas être un handicap pour l'allaitement maternel. L'édition 2015 de la Semaine de l'allaitement retient pour se faire comme thème « Allaitement et travail ». L'objectif principal, c'est de sensibiliser la population en général, particulièrement les mères, les chefs de famille, les ménages, et même les employeurs, hein, ceux qui acceptent d'accorder aux femmes des heures de tétée et de même aménager des espaces au lieu de travail à cet effet. Je voudrais l'assurer de l'engagement et de la disponibilité de l'UNICEF et de toutes les agences de Nations Unies à appuyer toutes les actions du gouvernement et des communautés visant à la protection, à la promotion de l'allaitement maternel afin d'améliorer le bien-être des enfants et des femmes du Mali. La décision de mettre l'accent sur les femmes qui travaillent et allaitent a été approuvée en novembre 2013 en Malaisie au cours de l'Assemblée mondiale extraordinaire des partenaires en faveur de l'allaitement maternel. Une décision largement partagée par les autorités maliennes. Cette décision est plus importante pour le Mali quand on sait que la dernière enquête démographique de santé EDS a montré que seuls 33% des enfants de moins de 6 ans sont allaités exclusivement au sein. Il devient alors impérieux d'encourager et d'envisager toutes les actions favorisant cette pratique. Des femmes allaitant leur bébé exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur naissance ont reçu des kits d'encouragement au cours de cette cérémonie. Nous allons à Cayo où les conditions de travail des institutions judiciaires sont dérisoires. Les députés vont plaider afin de doter la justice de moyens conséquents pour le bonheur des justiciables. Voilà, en résumé, l'avis du président de la commission loi de l'Assemblée nationale en fin de visite dans la première région. Idrissa Sankaré et sa délégation ont rencontré les juges et les agents de sécurité de Cayo et de Djema. Nos envoyés spéciaux dans cette mission sont Ramata Konaté et Mamadou. La justice de Kay a une particularité. Toutes les juridictions sont logées au palais de justice. Cour d'appel, tribunal de première instance, tribunal administratif, tribunal de commerce et tribunal pour enfants. Ces juridictions partagent deux salles d'audience. Une concertation s'impose donc pour éviter les chevauchements d'une juridiction sur l'autre. Nous n'avons qu'un seul véhicule au niveau du parquet d'instance et qui assure vraiment la liaison entre la maison d'arrêt et les cabinets d'instruction et même aussi au niveau de la cour d'appel. Pour un bâtiment conçu pour concevoir 70 détenus ou même condamnés, aujourd'hui nous sommes à plus de 200. Vous voyez, donc franchement, il y a des difficultés. Et il n'y a pas de quartier pour femmes, il n'y a pas de quartier pour mineurs. Les dotations que nous allons sont insuffisantes pour mener à bien notre mission. La même difficulté est signalée à Djema, cercle situé à 275 km de Kay. Ici, les problèmes sont également liés à la conservation des archives et à l'état du bâtiment. Nous avons besoin de ressources humaines, mais ici, il n'y a que trois bureaux. Le bureau du juge, celui du greffier en chef et tout le reste dans l'unique bureau. Djema a pris de l'ampleur démographique. Le contentieux aussi évolue, le volume des affaires évolue. Donc il faut aujourd'hui un palais digne de représenter l'image de la justice au niveau de cette région. On ne peut pas mettre des gens dans ces conditions et leur demander encore des résultats. C'est pratiquement impossible. Et nous allons nous faire le devoir de rendre compte à qui des droits, mais aussi de par notre fonction, de voir ce que nous pouvons faire. Serait-ce qu'agir sur le budget du département de la justice? À la brigade de la gendarmerie de Djema, il y a une cellule pour les hommes et une autre pour les femmes détenues, contrairement au commissariat de police du premier arrondissement de Kay. Ce poste de police est situé en plein marché, ce qui constitue un handicap pour la mobilité du service.
Les responsables en charge des activités autour des zones d'orpaillage ont mis en place un plan d'action 2015. Ce plan consiste à améliorer la situation sécuritaire et surtout environnementale de la région de Kaï. Le plan est ici détaillé par la directrice de l'assainissement du contrôle des nuisances. Madame Aïssata Sissé est au micro de Mariam Sagara. L'action régionale de Kaï sur la gestion de l'orpaillage et la sécurisation des titres miniers s'articule sur à peu près 6 objectifs. Et dans ce plan, on a mis l'accent beaucoup sur l'information, la sensibilisation, la communication. Et ensuite, on va mettre des actions de protection. Et après ça, on a pensé aussi à créer des activités d'accompagnement. Il faut trouver vraiment une action qui pourra intéresser les gens. Et c'est pour cela qu'on a dit les activités génératrices dans le sens du durable. Donc ce n'est pas les activités où on fait des petits fonds de crédit, mais des activités réelles qui peuvent compenser ce qu'ils sont en train de trouver dans l'orpaillage. Bien vrai que l'orpaillage rapporte de l'argent, mais encore, ça détruit notre environnement. Et qui va en ce moment répondre à ces questions demain et comment résoudre ces questions? Donc on pense qu'à la fin, il faut qu'on arrive à les organiser, à les entourer autour des activités génératrices de revenus. Et après tout, ils vont comprendre et en ce moment, on va développer notre économie macroéconomie, si on peut dire ainsi. Et ensuite, la protection de l'environnement est là et même le développement de chaque individu, de chaque Malien. Puisque nous parlons de mines, donc l'occasion nous est donnée de vous présenter ce journal, ce bulletin, le Minier. Le Minier est un bulletin d'information semestriel rédigé et publié par Géoprime. Géoprime, c'est l'association des géoscientistes privés du Mali. Il traite des questions relatives au secteur minier. Dans chaque parution, un article scientifique est proposé. Pour ce numéro, il s'agit de la bauxite minière principale de l'aluminium. Le minier est donc dans vos kiosques. Clôture de la deuxième édition du camp éducatif Science, Technology, Engineering et Mathematics. C'était samedi dernier à la Cité des Enfants, organisée par l'ONG INERD, Empowering Youth with Opportunities. Ce camp a pour but de promouvoir une nouvelle méthode d'enseignement innovante des sciences et des technologies pour tout petit. Inaba a suivi cette séance pour nous. Au terme des 5 semaines d'études et d'apprentissage, les 120 enfants du camp éducatif STEM, Science, Technologie, Engineering and Mathematics ont appris à mieux comprendre comment fonctionne l'univers, appréhender la gravité et observer les phénomènes naturels. On veut renverser la tendance au Mali, sinon en Afrique, qui est 80% littéraire et 20% scientifique. On veut encourager, sinon promouvoir le STEM parce qu'on voit l'importance de STEM dans des pays développés comme les États-Unis et la France. Donc on se dit que si on a plus d'ingénieurs, de mathématiciens ici, nous pourrons résoudre nos propres problèmes. Selon les organisateurs, la jeunesse africaine a le même besoin et le droit à l'éducation dans le STEM au même titre que les jeunes des pays développés. L'objectif à moyen terme est d'étendre ce modèle d'observation et d'études à un nombre croissant de camps à travers le continent africain. Pour toute la colonie d'Aïnab, je me suis bien amusée car on a fait beaucoup d'activités amusantes. J'ai travaillé sur les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. J'ai appris sur les cellules dans le corps, pratiqué l'expérience de l'ADN en testant mon propre ADN. Profitez de cela, apprenez beaucoup, soyez des relais auprès de vos autres pères pour que nous ayons plus de scientifiques que de littéraires, pour que le Mali de demain soit un Mali développé. La directrice de la Cité des Enfants, Mme Koumaré Amina Sissé, a demandé aux participants de partager la belle moisson de formation et d'informations utiles aux autres enfants du Mali. Si possible, élargir dans d'autres localités. Nous allons à Gao pour signaler le lancement dans le village de Badi Haoussa, dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao, d'une vaste opération de lutte contre le paludisme. Cela à travers la chimioprévention couplée à la vaccination de routine chez les enfants de 3 à 59 mois. Compte rendu depuis Gao de Boubacar Bablin Touré.
Selon les statistiques de l'OMH, le paludisme tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans. C'est fort de ce constat très amer que la Direction régionale de la santé de Gao, avec l'appui technique et financier de l'ONG International Médecins Sans Frontières Espagne, vient de lancer cette campagne de lutte contre le paludisme dans le village de Bazi Haussa, cercle d'Ansongo, cela à travers la chimio-prévention. Chimio-prévention, c'est des médicaments qu'on administre que l'enfant ne soit pas atteint du paludisme. Vous voyez, dans le système déjà, on fait un tri et un dépistage. Et ceux qui sont dans les cibles, et puis ceux qui sont dans le corps, c'est ceux qui vont bénéficier de cette chimio-prévention. La campagne de 2014 avait contribué à la réduction de la morbidité du paludisme chez les enfants. Et cette année, nous voulons encore réitérer cet exploit. C'est que nous voulons encore faire plus cette année. Financée à hauteur de près de 23 500 000 francs CFA, cette campagne va couvrir le seul cercle dans son groupe. Elle concernera 43 257 enfants de 3 à 59 mois. Pour mener à bien cette opération, 81 équipes de vaccination, 16 superviseurs de proximité et 10 superviseurs niveau district sanitaire, régional et national sont mobilisés. Les dernières campagnes de 2014 ont donné un résultat satisfaisant avec des taux de couverture de 109%, 129%, 135%. Et 139%. J'exhorte la population d'Ansongo à amener les enfants vers les distributeurs accompagnés des cartes anciennes, CPSE et vaccination. Pour atteindre un plus grand nombre de cibles, les stratégies adoptées sont le centre fixe et la stratégie avancée mobile. Le lycée sportif de Kabbalah abrite depuis hier la cinquième rencontre du mouvement Sahara international du 2 au 9 août. Les femmes chrétiennes venues de sept pays du continent vont plancher autour du thème « Femmes chrétiennes, levons-nous » pour accélérer la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fadimba Keïta a suivi la séance pour nous. Ces mères de plusieurs nations réunies en Christ au lycée sportif de Kabbalah accomplissent à travers des prières la mission prophétique confiée à Sarah, femme d'Abraham, à savoir faire de toutes les nations les enfants spirituels d'Abraham et de Sarah. C'est dans cette optique qu'a été créé en 1996 à Boaké en Côte d'Ivoire le mouvement Sarah International. Cette cinquième édition reste donc pour les femmes et les jeunes filles chrétiennes un espace de conférence, de prière, d'évangélisation en groupe, de manifestation d'amour de Dieu pour tous. Le mouvement Sarah travaille pour le bien-être de la femme et de la jeune fille sur le plan physique et spirituel. Parce que nous avons souci vraiment de voir la femme épanouie, la femme se prendre en charge et la femme vraiment être émergente, n'est-ce pas, physiquement comme spirituellement. Et donc c'est à cela que nous travaillons. Les cantiques de la coordination nationale Sarah du Mali invitent les femmes chrétiennes à la cohésion afin d'accélérer la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis convaincue que nous passerons ensemble des moments merveilleux de communion fraternelle, de partage, de vision, des témoignages sur ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos différents pays. J'insiste que ces femmes qui sont réunies ici, si elles veulent annoncer Jésus-Christ, en tout cas, elles doivent être motivées par l'amour et non pas pour autre chose. Et elles doivent prier. La prière implique que l'homme est conscient de son insuffisance et qu'il se remet à Dieu pour que lui, il prenne le contrôle et qu'il le guide. Le président de la République se réjouit du choix porté sur notre pays pour abriter cette importante rencontre chrétienne. Un choix qui témoigne du caractère laïque et républicain du Mali. Chaque fois que nous avons la chance d'avoir des groupes ou des regroupements à caractère spirituel, c'est une chance. Au regard du processus duquel le Mali est en train de sortir pour aller vers un processus d'unité nationale consolidée de paix, alors chaque prière devient un besoin pour ce pays, afin que le Seigneur soit dans toute sa miséricorde, clément envers notre pays, envers notre peuple. Avec les révérends pasteurs des pays membres, d'autres sous-thèmes seront débattus en atelier de groupe. Le réveil de l'Église pour le salut des voisins, pourquoi et comment vivre une vie de consécration, de sanctification pour un bon témoignage, entre autres. Participent à cette cinquième rencontre les coordinations nationales venues du Sénégal, du Bénin, du Tchad, du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Mali.
Sport football, Mambi Keletigi Djabi succède à lui-même à la tête de la Ligue régionale de football de Sikasso. Il a été réélu lors de l'Assemblée générale par les délégués venus des districts de football de la région. Le point avec Sekou Konaté depuis Sikasso. Pour cette Assemblée générale statutaire de la Ligue régionale de football de Sikasso, les délégués sont venus des 5 districts de la région. Koutiala, Bougouni, Yanfolila, Konongeba et Sikasso. Pendant une journée, ils ont procédé à la relecture du règlement intérieur de la Ligue, adopté les rapports d'activité et financiers avant de procéder à la mise en place ou au renouvellement du bureau de la Ligue. 4 candidats étaient en lice, une première en région de Sikasso. À l'issue du scrutin, Mambi Keletigi Djabi, président sortant, avec 8 voix sur 10, se succède à lui-même. Il devance Ted Sissouma, 2 voix. Amadou Cissé et Alou Sangaré n'ont obtenu aucune voix. Et le président élu a ses priorités. Réussir la montée d'un club par saison en Ligue 1, mais aussi réussir son maintien. Tel doit être le mot d'ordre, la consigne formelle, le leitmotiv. Le président de la Fédération malienne de football, qui a supervisé les opérations, a salué l'esprit qui a prévalu et également tout l'engagement de la Ligue et de la région de Sikasso. Vous devez tout mettre en œuvre pour maintenir la tendance à la croissance de vos devanciers en intégrant le management qui a été la clé du succès de votre Ligue. La Fédération malienne de football, par ma voix, s'engage à accompagner votre Ligue. Et l'autorité en charge du sport en région de Sikasso d'inviter à l'union dans l'action. Aux candidats qui n'ont pas eu la chance, je les invite à se joindre aux gagnants pour rebâtir notre case. La tâche ne sera pas facile. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été. Sachez que tout le monde aura les yeux braqués sur vous. Donc ne donnons pas raison au temps. Un événement qui vient à quelques jours du tournoi de montée en première division que la région va abriter et l'Union sportive de Bougouni sera notre représentant. Voilà, plus un secret pour nous Maliens que les objets de seconde main envahissent aujourd'hui notre environnement avec des nouveaux points de vente. En plus des habits, ce sont des jouets, des chaussures, des draps et même des serviettes et même des matelas aussi de seconde main. Ces derniers articles sont-ils suffisamment propres? Une question qu'on a le droit de se poser et à laquelle s'est intéressé Focus Santé de ce soir, réalisé par Tessira Dambélé. Il y a longtemps, les habits de seconde main sont dans la vie du Malien, répondant à un type de besoin et représentant aujourd'hui toute une économie. Ils sont complétés aujourd'hui par d'autres types d'objets usagés comme les jouets, les sacs, les chaussures. Mais vendeurs et acheteurs songent-ils à l'aspect hygiène quand ils vendent ou achètent ces objets? On les lave, souvent on les plaque aussi, donc à notre niveau. Voilà. Donc vous lavez comment? Donc on les lave, d'habitude, comment on lave les autres habits là? Certains vendeurs tantôt lavent, tantôt ne lavent pas les articles qu'ils mettent sur le marché. Ils estiment que les patients le feront sûrement. Aujourd'hui, même des maillots de bain sont disponibles sur le marché et s'écoulent réellement. Mais l'autre article très rencontré sur le marché aujourd'hui, c'est les matelas de seconde main qui nous arrivent d'Europe. Ils sont issus de stock, mais il y en a qui ont été déjà utilisés, on ne sait par qui. C'est un réseau, bon, je ne sais pas comment ils en trouvent. Bon, en général, les matelas casse que nous trouvons souvent, c'est des stocks souvent. Souvent, il y a des matelas un peu abîmés. C'est-à-dire trop utilisé souvent. Si les différentes parties ne songent pas à hygiène, le problème est pourtant là. Il y a effectivement certains germes des bactéries qui peuvent résister pendant très longtemps à des fortes températures et à des conditions très hostiles. Par contre, d'autres bactéries qui sont très connues, ils peuvent mourir très facilement dans des conditions de chaleur extrême. Ils vont mourir. Les matelas, là, leur désinfection semble un peu compliquée. La désinfection des matelas, ça se fait dans des structures vraiment spécialisées. Aujourd'hui, nous ne disposons pas aujourd'hui de ces structures. Les maladies de la peau, par exemple, les germes tels que la gale, la teigne, ça, c'est des choses qu'on peut avoir facilement avec les matelas ou les vêtements.
À cela s'ajoutent les acariens, les punaises de lit et autres micro-organismes. Les importations ne se limitent pas à cela et un contrôle ou une désinfection s'impose souvent. Ce sont des produits qui sont déversés sur le marché, qui normalement devraient suivre un circuit de contrôle de qualité. Donc on va s'assurer, depuis l'entrée de ces produits sur le marché, qu'ils ne présentent pas de danger pour la santé. Nous sommes un pays où la population n'est pas toujours sensibilisée aux enjeux liés à la question de santé. Et donc il s'agit certainement d'informer ceux qui sont chargés de ce commerce-là que ces produits peuvent, s'ils ne respectent pas le circuit de contrôle de qualité, constituer des dangers pour la population. Et je pense qu'il y a des précautions à prendre. Par ailleurs, ceux qui ont des antécédents de maladies pulmonaires comme l'asthme et des problèmes d'allergie de type éruption cutanée trouveraient meilleur compagnon dans les couchettes qui ne sont pas de seconde main. Alors, que dit la réglementation malienne en ce qui concerne de pareils produits de seconde main? L'aspect hygiène retient-il suffisamment d'attention aujourd'hui? Autant de questions qui restent posées. Voilà, le dernier conseil des ministres d'avant vacances est tenu aujourd'hui, conseil qui a été présidé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Juste après moi, après ce journal, le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Meïga, reviendra en langue bamana, en son rail il le parle aussi, sur les grandes décisions prises au cours de ce conseil. Voilà, demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Meïga prendra le relais. Et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Il a beaucoup plu cette nuit sur Bamako. Donc, excellente nuit à tous. Au revoir.